Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la Marmota. C'est dommage de vous annoncer que la police est présente présentement, la ville aussi, et sont en train de mettre des barrières. Donc, ça va être la dernière journée de la Marmota après-midi. On va en profiter, faites-vous-en pas. On voit que les employés de la ville commencent à mettre des pancartes vélo interdit avec la police qui donne un coup de main. Tabarouette. On va être si méchant que ça. C'est pas pire, t'as pas de pression de même. En forme, toi? Hey, salut, JP! Yes, comment ça va? Ah, bien, toi? Yes, yes, yes. Il va faire un petit tour avant la fermeture. Fait que même la petite, tellement de fun pour tout le monde. Ça fait que certaines des dernières images de la Marmota qui va être détruite, écoutez, dans les prochains jours. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire ça. Il avait parlé de début mai. Il reste encore une fin de semaine au mois d'avril et puis ça a l'air de se concrétiser pas mal là, malheureusement. Bien. Encore la petite. Because début de saison et reprendre ses réflexes. C'est tellement intuitif. Ah. J'en reviens pas que ça va fermer pour vrai. Ça va pas d'allure. C'est ça, on a jasé un petit peu avec du monde de la ville. Ça a l'air de se terminer pour le 8 mai. Fait que il reste un petit peu de temps. On voit le monde de la ville qui sont en train de barrer certains emplacements, mettre des pancartes. Vélo interdit. Mais ils ont l'air de tolérer les gens. Encore quelques jours.